Quoi ? Putain, c'est pas possible ! Allez, au charbon. Salut à tous, c'est Lou. Dans la vie, parfois, il y a des clicous qui te contactent en DM juste pour t'apprendre qu'est-ce que la vie. Alors que les gars, ils ont mat à 15h et goûté à 16h. PTDR. Du coup, tu vois, comme un génie, je me suis délecté de leur haine putréfactive afin de leur proposer tout simplement un jet de ma plus belle plume. Ouais, Pocantas, tu t'es cru à Versailles ou quoi ? Parle normal, frère. Ouais, je disais donc. Ou être minable. Moi, être sommet de l'échelle alimentaire. Bien entendu, on va faire de la critique facile car la facilité amène le buzz amène la blanche amène la pure. Et c'est pas fini. Bien entendu, comme me l'a suggéré Lambda numéro 356, j'aurais dû faire une vidéo sur Michel, 14 abonnés, qui fait des vidéos sur Minecraft. Mais bizarrement, alors là, aucune volonté, je sais pas pourquoi, j'avais aucune envie. Ah, et pourtant, c'était pas faute d'essayer, regarde, même moi, j'ai commencé à bosser sur le projet. Alors, salut à tous, c'est Jean Critique, et aujourd'hui, on se retrouve pour ma quatrième analyse. On se retrouve pour ma quatrième vidéo analyse sur Dylan, 8 ans et 0 talent, qui s'écrit Dylan, 8 ans et 0 talent, et se le prononce... Bismillah. Bon, c'est de la merde. Merci à tous. Un message aux abonnés. Bande de fils de pute. Mais aujourd'hui, lors de l'éveil, un soupçon d'Orangeanne m'a indiqué que je devais faire une vidéo sur cette petite dame afin d'effectuer le buzz sabristi. Bref, aujourd'hui, nous parlons de Chelsea. Sur ce... Light, camera, action. Chelsea mais pas Chelsea. Merci. Chelsea mais pas Chelsea est une youtubeuse passionnée par les unboxings, les challenges, l'argent et les jeux vidéo. Sa principale activité se déroule sur YouTube et pas YouTube ou encore Udiz. Là-bas, elle propose des vidéos éducatives où elle fait un top des plus scientifiques sur les plus beaux youtubeurs de la plateforme francophone. Et d'autres vidéos mesurent à la pipette où tout simplement Marie Curie n'a qu'à bien se tenir. Comme par exemple, il baisse son short pour moi en plein live ou encore je suis en couple avec David Lafarge. Point d'interrogation, espace, smiley de doigts qui pointe vers la droite, espace, smiley de doigts qui insinue la perfection. Mimant alors l'arc et la pénétration. Rapidement, quand tu check sa chaîne, tu vois que cette femme de science réalise un contenu rapide à la réalisation, dans le sens où l'écart de publication ne justifie en aucun cas la qualité de production. Bref, il ne me reste plus qu'à balancer mes 4 raisons pour lesquelles Chelsea est une mauvaise youtubeuse. Dit comme ça, ça fait un peu le mec frustré, mais tu verras bien que c'est un peu plus subtil à Tatum que ça. Numéro 1. Argent, plus qu'un mot, une passion. Le problème récurrent et pas curant avec Chelsea, c'est qu'elle fait trop de placements de produits. A titre d'exemple, sur ses 10 dernières vidéos, il y a 7 vidéos sur 10 qui sont sponsorisées. Que ce soit des promotions, des offres partenaires, des vidéos sponsorisé ou encore des voyages. Et pourtant, têtu comme une mule, Chelsea ou encore Chelsea va essayer de me démontrer de A à Z pourquoi moi j'ai tort. Alors que depuis sa vidéo sur TK, on voit très bien qu'en description elle affiche tous ses codes promo, que ce soit sur WinWi ou sur Cresus. Et pourtant, elle m'assure qu'en DM Tutor, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo sponsorisée. Alors qu'au début de cette même vidéo, elle précise que c'est pas sponsorisé. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Ce site-là est interdit pour les mineurs. Mais genre 2 minutes après, elle dit que c'est sponsorisé. C'est en compagnie de TK. Salam les pour une nouvelle vidéo, et du coup c'est une vidéo où on va tester des casinos en ligne, et donc j'ai mon partenariat WinWi, et du coup on va jouer sur ce site et je vais faire découvrir à TK ce que c'est que les casinos en ligne. Est-ce que tu te fous pas un peu de ma gueule, vraiment? Alors qu'est-ce que c'est si c'est pas sponsorisé? Sponsorisé, c'est de la pure bonté. Genre le concept est tellement révolutionnaire que tu as décidé par toi-même de le mettre en avant. Oui. Et par exemple, vu que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo sponsorisée, allons voir sa vidéo qui s'appelle Ma vidéo la plus secrète, qui est bien évidemment une vidéo promotion du film Glass. Mais je suis désolé, mais quand tu demandes aller sur un plateau où tu es invité par une production pour visiter un plateau, je suis désolé, mais là tu fais la promotion indirecte du film. Bah oui, c'est pas une vidéo sponsorisée, parce que pour Chelsea, pour que ça soit une vidéo sponsorisée, il faut qu'il y ait un gain d'argent, ce qui correspond tout à fait à la définition. Mais lorsqu'une entreprise te contacte pour faire un placement de produit, soit le produit qui t'a envoyé est d'une valeur inestimable et donc il te l'offre, soit l'entreprise te propose un voyage comme fut la vidéo avec le film Glass. Et encore, je te parle pas des vidéos qui sont bien évidemment non sponsorisées, comme la fois où elle reçoit un floorpad et qu'elle met le lien dans la description. Là, l'entreprise t'a offert le produit en échange d'un peu de visibilité. Mais bien évidemment, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sponsor. Ça, c'était pour répondre à Chelsea et pour te dire en fait ça ne me dérange en aucun cas qu'elle fasse des vidéos sponsorisées. Mais le problème, c'est qu'elle en abuse. Regarde-moi ça, la vie de ma maman. Mais qui offre à ses abonnés un tacos? Un tacos, gros. Merguez, t'es caché, ce sandalouse. Oh, mais aurais-je oublié, tu as offert ce tacos par pure bonté. Non, pas parce que au tacos t'as sponsorisé. Et ça sera quoi après au 500 RT? J'offre du papier cul de marque Lotus. Et le pire, c'est qu'elle ne sait pas trier ses mails. Oh là là. Car cette femme de science a eu la merveilleuse idée, pour être dans le thème du sport et ainsi promouvoir le site de Paris Sportif, de gratter dans ce cas des tickets
clés à gratter devant tous ses abonnés qui sont eux mineurs. Et pourtant elle le précise, mais c'est pas derrière que les jeunes sont vraiment très influençables. Et tu sais forcément que derrière il y a 2-3 cons de 13 ans qui vont se procurer des tickets à gratter dû à l'envie qu'a engendré ta vidéo. Et revenons donc sur la question de l'éthique. Par exemple avec la vidéo prank avec The Kerry. Tout du long de sa vidéo elle promouvoit un site de casino en ligne dont l'argent en jeu n'est pas réel, d'où le prank sur TK. Bref, même si tu as prononcé le fait que le site est interdit aux mineurs et que de l'argent réel n'est pas en jeu, pourquoi proposer ça à tes abonnés? C'est la même histoire que les tickets à gratter, tu les incites indirectement rien qu'en faisant une vidéo sur ce thème précis. Tes vidéos sont bonnes, bonnes si tu as 10 000 abonnés, mauvaises si tu as un demi-million d'abonnés. Mais le fait de faire l'akimbo de ta vie méga intéressante, on va pas se le cacher, avec le placement de produits, ça rend ta chaîne méga détestable. Essaye au moins de faire quelque chose d'intéressant parce qu'à force tout le monde s'en bat un peu les yeux coups, troubadou, tululu, chapeau pointu. Numéro 2, le problème du super sub. Je crois que notre chère Marie a développé une obsession du super sub. Pour faire simple, toi payer argent 5€, 5€ chaxi. Et notre protagoniste essaye un maximum d'en vanter les mérites auprès de ses abonnés. Comme ce fameux jour du 31 août 2018 où elle fit la promotion sur ses réseaux sociaux de son super sub. Via une photo floutée de ce qu'elle décrivait comme son boule, son popotin, sa demi-lune, son fouettard, son croupion, sa croupe, son arrière-train. Et je dis bien qu'en échange de 5€, donc un super sub, tous les mecs en chien pouvaient voir sa photo artistique. Floutée de base qui était en fait un légume une fois le super sub octroyé. Mais comme tout bon arnaqueur qui se respecte, elle décrit ça comme du troll, histoire de ne pas se faire lâcher sur les réseaux pour escroquerie. Après 3 litres et 5 scoops de sueur, elle a modifié son poste en décriant que gna gna, moi respect femme, moi artiste, moi troll, vous êtes con. Bref, là où c'était un coup de génie, c'est qu'une pub, qu'elle soit mauvaise ou non, ça reste une pub. Sans oublier que si tu te procures un abonnement, tu peux obtenir le numéro de ta youtubeuse pour pouvoir la harceler de la meilleure des façons. Alors c'est bien, c'est beau, mais au point de donner ton numéro, fais un petit effort, augmente le prix, augmente le game. Aux 20€ de sub, tu leur proposes une soirée en tête à tête, et aux 50 champagne, confetti et clafouti. Cela permettra de varier le plaisir à tes super subeurs. Numéro 3. Filles et gaming est égal vidéo suggestive. J'ai constaté un sérieux problème avec les filles qui sont dans l'univers gaming et qui sont à ses côtés, aka Chelsea, aka Julia Gameuse. Ces dernières aiment jouer aux jeux vidéo, logique. Mais je sens que l'appât du gain, le fait de travailler avec des marques, les aide à rester sur la plateforme. Et certaines vont jusqu'à promouvoir de leur corps sur certaines vidéos, ou en suggérant de l'érotisme via un certain concept ou certains titres de vidéos. Mais la seule condition, c'est qu'elles doivent être un minimum potable. Enfin, je dis ça en mode c'est un jambon de Bayonne labellisé bio, mais elles essayent à tout prix d'attirer les gens masturbants sur leur chaîne. Une fille sur les réseaux sociaux n'aime pas forcément se faire harceler par des mecs qui ont la tour de piste redressée dans leur box pack office en guise de cerveau. Elle publie alors moins de vidéos pour éviter de se faire stalk sur les réseaux. Mais elle compense avec la thune qu'elles peuvent se faire via les OP. Elle voit que leur communauté est composée à 80% de mecs en chaleur, alors elle joue sur le fait que mettre des titres suggestifs avec des thèmes suggestifs peuvent attirer plus de monde. Ou alors, secondo, le fait de jouer sur le thème de l'érotisme attire des mecs qui eux sont uniquement abonnés pour cela. Sa réputation est alors remise en cause, a-t-elle des abonnés uniquement pour le cul, ou grâce à sa réputation toute faite auprès de Skyheart? À vous de me le dire. Numéro 4. Chelsea. 100% mauvais. Cette vidéo s'appelle 4 raisons pour lesquelles Chelsea ou Chelsea rien à foutre est une mauvaise youtubeuse. Mais la dernière raison que j'aimerais vous présenter n'en est pas vraiment une. Car dans une critique, il faut viser tous les points, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ceux qui ont quitté la vidéo avant d'arriver à ce point vont penser que je suis un connard. Mais en réalité, je suis un connard. Un bon connard. Ce que j'ai bien aimé sur ces vidéos, c'est par exemple ces collabs. Que ce soit avec Walla Race FC. Voilà, gros. Ou je l'avoue, je l'admets, j'assume, je me plie, j'accepte que j'ai esquissé un petit sourire et je me suis senti diverti. Allez hop hop hop, ville troubadour, divertis-moi. Enfin, peut-être que cette complicité est due à la sextape entre nos deux tourtereaux. Je préfère mettre les choses au clair, comme ça, y a pas de trucs bizarres ou quoi que ce soit. La vidéo est en effet vraie. C'est effectivement moi et David sur cette vidéo. blague à part, non, en vrai, c'est pas moi sur la vidéo. Enfin, bon, PTDR, qui n'aime pas Remuel, cuillère dans le marmitin. That's what good pussy sounds like. L'ahmar. J'ai aussi bien trouvé le concept de débunker des produits Instagram et qu'elle devrait vraiment en faire plus. Car ce concept se démarque vraiment de sa chaîne. Ça serait vraiment bien d'avoir plus de vidéos comme celle-ci. Mais comme l'indique sa vidéo Je teste un WoW mobile, elle précise qu'elle ne fera plus de vidéos non qualitatives et qu'elle proposera quelque chose de travaillé. Mais après, plus rien. Bah, je sais pas, nada, niente. C'est comme les résolutions du nouvel an, une semaine et c'est tout, au revoir. J'ai vu que cette vidéo t'a pris un peu plus de temps de réalisation que les autres vidéos. Mais bon, là, t'es pas parti non plus sur du Spielberg. Tu pourras effectivement essayer de redorer ton
ton blason en effectuant ce genre de vidéo. Car je suis désolé, mais tes vidéos challenge ou encore tes pranks sont déjà en fait des vidéos toutes faites. Essaye au moins de pousser un peu plus ton contenu et montrer pourquoi tu as 600 000 abonnés. Et essaye de montrer au moins que tu les mérites. Chelsea est évidemment une mauvaise youtubeuse, mais attention, elle n'est pas une mauvaise personne pour autant. Elle a juste fait des mauvais choix dont certains ont été initiés par l'argent. Peut-être qu'elle a une entreprise à faire vivre ou tout simplement elle galère à payer son loyer. Et c'est pour cela donc que je vous prie de la respecter. Car vraiment, je vous dis, personne n'aime se faire harceler sur les réseaux sociaux. Mais ça, bien évidemment, tu le savais déjà. Ciao. Lâche un like, ho ho.